Bonjour. Tu dis coucou? Qu'est-ce qui se passe? Elle est excitée depuis ce matin comme ça. Voilà. Ça promet. Hein? Bon, elle a pris le bibi il y a environ 40 minutes à peu près. Puis on se pose toujours dans le lit tranquille avant que je la recouche. Donc je vais pas tarder à la recoucher en sachant que ce matin j'ai rendez-vous chez le médecin parce que ça va pas du tout. Je pense que vous l'entendez. Voilà, j'ai rendez-vous dans 1 heure et demie à peu près. Donc je vais la coucher pendant 1 heure. Je sais pas si ça vaut le coup de la coucher en fait. Ou si je la couche après le médecin. Parce que là, elle est bien excitée. Hein? Tali? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, il faut qu'elle te coupe les griffes, là. Tu me griffes. Cochon. Oh oui, tu veux ta gymnastique? T'attrapes ton pied, bravo. Bonjour, bonjour. Bon, je suis dans la salle de bain. Kali est réveillée, puisque je dois partir chez le médecin. J'ai rendez-vous chez le médecin, donc pour moi, je vais amener Kali avec moi. Bien entendu, je vais pas la laisser à la maison. Voilà, on va chez le médecin. Après, on va faire 2-3 courses. Et après, non, je vais chez le médecin, je reviens à la maison et après on repartira faire des courses. Voilà, histoire que je me fasse un petit peu une tronche. Là, j'ai pas eu le temps ce matin, mais je fais un petit peu palote quand même, fatiguée. Mais c'est un petit peu le cas. Enfin voilà. Sinon, aujourd'hui, nous sommes le 12 et donc Cali a 6 mois. Déjà, ça passe trop vite. Ça passe trop trop vite, c'est un truc de fou. Donc il faut que je fasse la petite photo avec sa tenue du jour. Avec la pancarte 6 mois. Ça passe trop vite. Bon, nous sommes rentrés des courses. Je vais tout sortir comme ça, je vais vous montrer. Mais juste avant, je vais donner à manger à Cali, puisqu'il est midi 10. Donc voilà, c'est juste pas possible de la faire attendre plus longtemps. Elle a déjà été très patiente, je trouve. Donc voilà, je lui donne à manger. Je vous montre les courses après, en sachant que je suis passée à mon primeur à Lidl et à Leclerc. Et je suis également passée à Zeman. Donc je vous montrerai ce que j'ai trouvé à Zeman. C'est parti. Oh là là, ça va, Gogi? Alors, retour de course. Donc, je suis allée à Lidl, je suis allée à Montprimeur et je suis également passée à Leclerc. Donc, Lidl, j'ai pris deux concombres. J'ai pris ce petit cuve-vapeur en silicone là. Vous savez, c'est pour faire les poissons en papillote. Moi, je l'utilise pour faire mon poisson en papillote. C'est juste trop, trop bien. Il fallait que j'en rachète un parce que, voilà, je m'étais dit que quand Cali mangera comme nous, il faudra que j'en rachète un. Et là, c'était l'occasion. Ils étaient sortis. Donc voilà. J'ai pris du pain aux noix que j'ai fait trancher. J'ai pris une bouteille d'huile. J'ai pris du poisson, donc là c'est du cabillaud pané et là c'est du filet de limande du Nord. Voilà, je prends pas trop ça d'habitude, mais là j'en avais envie. J'ai pris de la crème fraîche, j'ai pris du filet de poulet. Ici c'est deux carpaccio de saumon, voilà, qu'on mangera ce soir avec de la salade et des artichauts, je pense. Voilà, qui était en promo à moins 30% puisque la date allait bientôt passer. J'ai pris des céréales pour Cali, donc j'ai pris des Nestlé et des blés dînés. Voilà, riz, carottes et carottes potiron. J'ai pris des canettes de coca. J'ai pris ici à Leclerc deux steaks hachés 5%. Voilà, qui était à moins 30% puisque c'est une date courte. J'ai pris ici, c'est des styles de Kiri. Voilà, de la marque Leclerc. J'ai pris des cordons bleus de poulet, vache Kiri. Ici, j'ai pris des petites boissons Nestlé. Vous savez, aromatisé, bon alors c'est sans sucre ajouté. Cali boit très très bien de l'eau, mais je me dis que voilà, de temps en temps, pourquoi pas lui mettre un petit peu de ça, même dilué avec l'eau, pourquoi pas. Voilà, j'ai pris des Babybel, j'ai pris du muesli croustillant bio. Celui-ci, c'est celui de Lidl, il est super bon, nous on l'adore avec Doudou.
J'ai pris des citrons verts qui étaient en promo, donc ça a parfait pour faire les petits mojitos. Des petites bananes, une mangue qui est très 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 dure, qui n'est pas du tout prête à manger tout de suite, mais on va la faire mûrir dehors. J'ai pris du Saint-Moret, j'ai pris des bouteilles d'eau, donc citron et pêche. Il y a une pêche que j'ai déjà ouverte puisque j'avais très très soif dans la voiture. Farine, sucre et farine, et du sopalin, papier absorbant. Voilà, voilà. Et donc, pour ce qu'il en est de mon primeur, alors ici, vous avez des tomates, genre tomates Totel et tout. J'ai pris, ça c'était toujours les promos, hein, vous savez, moi j'ai toujours des barquettes à 1€. Donc là, vous voyez, j'en ai pour, je crois que j'en ai pour 4€ là. Donc j'ai pris des artichauts, ils étaient par 4, 1€ les 4. Des butternuts, alors là, ils étaient, non, il y en avait 2 et il y en avait 1. Donc là il y a 3 butternuts et j'ai pris également du brocoli, il y en a 3. Donc voilà, je vais faire cuire tout ça, comme ça, ça sera fait. Et voilà, voilà. Bon, ça y est, j'ai tout mis au frigo. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Zeeman. Alors moi, Zeeman, j'y vais très souvent puisque ça, les collections changent énormément. Donc faut y aller souvent. Alors, première chose que j'ai pris. Je crois que j'ai mon paquet de lingettes qui fuit. Donc première chose que j'ai pris, c'est cette petite veilleuse en forme de montgolfière qui était à 3,99€. En fait, vous avez la petite boule, vous tirez et vous avez la musique, vous savez, la fameuse musique. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas l'accrocher sur son cosy et tout, c'est pas mal. Ça calme vraiment ce genre de musique, donc voilà. Et puis j'ai trouvé assez sympathique, toute colorée comme ça, et puis pour le prix, rien à dire. Ensuite, j'ai pris un lot de bandeaux comme ceci, un corail et un blanc avec des petits pois. Ça, pour l'été, ça sera parfait. Voilà. Il faut savoir que Cali, quand je lui mets un bandeau, elle le garde, elle ne tire pas dessus et tout. Ça n'a pas l'air de la déranger. Donc voilà. Si un jour, je vois qu'elle tire dessus, qu'elle en a marre, là, j'arrêterai de lui en mettre. Mais pour le moment, ça n'a pas l'air de la déranger. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des chaussettes. Donc là, c'est des 2-6 mois avec des petites licornes, du rose, des petits cœurs et tout. Voilà, je l'ai trouvé assez grande pour du 2-6 mois. Et là, j'en ai pris un autre. Donc là, c'est du 6-12 mois. Petite licorne. Avec des rayures super cute. Voilà. C'était 1,79€. Ensuite, j'ai pris ce petit tablier là. Vous savez, c'est en plastique. Ça, c'est super pratique quand il commence à manger, à mettre les mains de partout et tout. Super pratique. Ça s'attache dans le dos et en fait, voilà, ça évite de pourrir les vêtements, hein, clairement, parce que on va dire ce qu'il faut dire, hein, parce que quand ils mettent des épinards ou des carottes, je peux vous dire que ça pourrit les vêtements et c'est très très dur de ravoir correctement, surtout quand c'est un haut blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, donc ça, 2,99€. Ensuite, j'ai pris 2 bavettes, je les ai trouvées trop mignonnes, donc celle-ci, verre d'eau avec un petit bonhomme qui sourit sur le devant, et vous avez également celui-ci, hop, avec du corail un petit peu, avec pareil, un petit bonhomme qui sourit, les yeux fermés, et voilà, trop mignon. Et je me suis pris, moi, 2 débardeurs avec un petit peu de dentelle sur le... au niveau des manches et sur le décolleté. Voilà, ça c'était à 2,99€, rien à dire. Et pour terminer, j'ai pris 2 paires de chaussures. Moi, je regarde très souvent les paires de chaussures à Zeeman parce que ça vaut vraiment le coup. Quand on va regarder à Ikea, à Kiabi ou les trucs comme ça, c'est genre 10€ la paire de chaussures. Là, elles sont à 4€, donc vraiment parfait. Donc j'en ai pris 2. Donc j'en ai pris une couleur blanche qui brille. Ça fait un peu slipper, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, elles sont toutes, vous voyez, holographiques. Elles sont très très belles. Voilà, donc niveau taille de pied, c'est un petit peu plus grand que ce qu'elle met actuellement. Donc ça sera parfait. Et j'ai pris également, pareil, à 3,99€, cette petite paire-ci. Voilà, qui est rose avec des petits pois un petit peu plus roses, enfin qui se voient un peu plus. Des lacets et pareil, j'ai pris 6-12 mois, donc voilà.
Voilà, voilà pour ce qu'il en est de Zeeman. Donc, j'en ai pas eu pour très très cher. Moi, j'aime bien y aller de temps en temps parce que ça change très très souvent. Ils ont de nouvelles collections à chaque fois. Là, ils ont sorti la collection pour Pâques. Donc voilà, il y a de très belles choses. Et voilà, je suis ravie de ces petits achats. Voilà, voilà. Les chaussures, je les ai pas essayées. Bon, j'ai bien gardé le ticket de caisse au cas où. Si c'est trop grand ou quoi. Parce que là, il y a aucun élastique dans ce genre de chaussures-là. Donc, si c'est trop grand, elle va les perdre. Donc, faut que j'essaye quand même. Puis si ça va pas, c'est pas grave, je les ramènerai. Hein. Il rembourse, donc pas de problème. Voilà, voilà. Bon, sinon, Kali s'est enfin endormie. Elle a mis beaucoup de temps à s'endormir. Elle était excitée, mais depuis ce matin, elle est au taquet. Elle bouge tous les bras, elle est excitée. Je lui dis, arrête, arrête, Kali. Elle me regarde, elle meurt de rire, donc voilà, c'est compliqué. Mais bon, ça va bien se passer. Là, pareil, je lui donnais son petit pot, elle arrêtait pas de faire... Voilà, voilà. Mais ça va bien se passer, tout va bien se passer. Donc là, elle fait dodo. J'espère qu'elle va bien dormir une heure et demie. Ça serait bien parce que ce matin, elle a pas fait de sieste du tout. Même elle a dormi à peine une demi-heure. Donc ouais, si elle pouvait dormir une heure et demie, deux heures, ça serait très très bien. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire des chats. Puisque vous avez été nombreuses à me passer des commandes. Et pour ça, je tiens à vous remercier. Merci infiniment de me faire confiance. Voilà, merci également à ma Maëva de la chaîne Mavachou, je vais arriver à parler, parce que ce nombre, ses commandes, c'est grâce à elle, à sa petite pub, donc merci, merci, merci beaucoup. Allez, let's go, je vais bosser, devant ma machine à coudre. Bon, je suis actuellement toujours devant ma machine à coudre, et petite Kali fait encore dodo, voilà. Elle a mis le temps à s'endormir, mais maintenant elle dort. Donc vous voyez ma pile de tissus et le portable pour surveiller Kali. T'es excitée? Oui, il y a un petit poisson là, au-dessus de ta tête. Tourne pas dans le bain. Et que je m'échappe les pieds. Bon, comme vous avez pu le voir, papa est en train de donner le bain. Alors, je pense que je vais avoir des questions. Oui, on est en bain libre avec Kali. C'est-à-dire que Kali est mis dans un fond d'eau, en fait, histoire qu'il y en ait assez, qu'elle prenne pas froid, etc., etc., mais qu'elle se noie pas. Et on la laisse sur le dos. Et en fait, on reste juste à côté et elle fait sa vie. Voilà, elle bouge les bras, elle bouge les jambes, elle est complètement libre. Elle adore ça. Franchement, elle adore ça. On a déjà essayé le transat, on a déjà essayé le siège, etc., etc. Elle aime pas ça du tout. Donc voilà, en bain libre, allongée, elle est super bien. Vous l'avez vu, je pense, elle est pas malheureuse. Bien entendu, on reste tout le temps à côté. Ça, c'est sûr, j'ai pas besoin de vous le dire et de vous le redire. On reste à côté, on n'est pas inconscient. Hein. Elle a jamais essayé de se tourner. Des fois, elle tourne la tête, mais elle voit qu'il y a de l'eau. Donc, elle se remet en tête droite, mais on fait très attention. Donc voilà, papa est en train de parler à la caméra, tout va bien. Bon, sinon, moi, je vais préparer les affaires de Kali pour demain matin. Puisque demain matin, moi, je pars de la... Ah, Doudou, je parle! Je pars de la maison à 6h30 puisque je commence le travail à 7h. Donc, il faut que je prépare les affaires de Kali pour que la nounou l'habille. Puisque, comme je vous ai dit, quand c'est papa qui emmène Kali à la nounou, il la réveille à 7h15, il la met dans sa combi et il l'emmène chez la nounou. Enfin, il lui change la couche avant. Et c'est la nounou qui habille Kali. Donc voilà, je lui prépare sa tenue, je lui mets dans un petit pochon que j'ai fait moi en couture. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc demain, on va mettre une petite robe, je pense. Je choisis sa tenue et je vous montre tout ça. Alors, petite tenue de Kali pour demain. Donc, petit gilet gris qui vient de chez Oh Baby. Je lui ai mis un petit haut avec un petit hérisson tout en relief. Il est trop mignon. Dans les tons de gris, pareil, Oh Baby. Le petit jean qui vient de chez Oh Baby. Bon, la paire de chaussettes vient de chez Kiabi. Et paire de baskets. Vous avez les bruitages de Kali derrière. Paire de baskets qui vient de chez Kiabi. Voilà, et puis je vais lui mettre un petit bandana pour les bavouilles. Bon.
Bon, j'ai fait à manger. Donc, déjà, j'ai fait une ratatouille pour demain et demain soir, etc. Voilà, elle est là. Je ne sais pas si vous avez bien vu, j'ai pas regardé l'écran, donc j'espère que j'ai bien visé. Et ce soir, donc c'est le carpaccio de saumon que je vous ai montré pendant les courses de ce matin. Et puis j'ai fait des concombres, il y a de la salade verte, il y a des tomates. Et puis voilà, c'est très light ce soir. Mais en même temps, moi j'ai pas très très faim, je... bof. Donc voilà, ça suffira largement. Et sinon, on a mis les infos. Parce qu'on aime bien regarder les infos. Donc voilà ce que ça donne. Alors la luminosité n'est pas très bonne. Donc là c'est des concombres que j'ai fait avec du fromage blanc et de la ciboulette, c'est super bon. Vous pouvez très bien mettre de la crème, mais bon c'est beaucoup moins léger. Et là c'est le tartare de saumon. Et c'est pas mal, t'as goûté Doudou? Pas encore, mais c'est bon, j'aime bien moi. Bon après faut pas en manger trop souvent, mais c'est pas mal. Bon, on a fini de manger. J'étais en train de préparer les boîtes pour demain parce que bah, demain on bosse. On fait un deuxième repas. Non, n'importe quoi, on fait pas un deuxième repas. Tu peux me couper le son de la télé parce qu'on m'entend pas. Donc, j'ai préparé les boîtes pour demain en sachant que. Vous êtes souvent à me demander c'est quoi les boîtes et tout. C'est des bento. Je vous mettrai le lien directement sur Amazon, c'est super pratique. Ça se ferme avec un couvercle qui vient de chuter. Voilà, donc ça se ferme avec un couvercle et vous pouvez mettre deux étages. Donc vous voyez, vous avez deux étages. Donc c'est pas mal si vous emmenez un plat chaud et une entrée. Alors moi, je vais prendre ça, ratatouille et steak haché. Voilà, hop. Et puis je vais mettre le petit couvercle qui va par-dessus et je vais mettre son élastique. Voilà, et puis Doudou. Donc là, pareil, steak haché, ratatouille. Je vais lui mettre son petit couvercle. Et ici, je vais lui mettre de la salade verte pour son entrée. Et voilà, ça ira parfaitement si j'y arrive. Et puis après, on met le petit élastique autour. Comme ça, ça tient bien la boîte fermée. Même si vous la transportez comme ça, ça tient très très bien fermée. Hein, hein, il n'y a pas besoin de mettre d'élastique en plus. C'est un plus. Bah si, par rapport juste au couvercle du dessus. Oui, ça, ça vole, ça. Voilà, ça c'est par rapport au couvercle. L'élastique, c'est par rapport au couvercle. Mais sinon, là, ça tient super bien. Hein, franchement... Et ça coule pas, c'est très bien, c'est très hermétique, pas de problème. Voilà, bon allez, je fais la salade verte de Doudou. Je pense que des fois, je dois être un petit peu maso. Je suis en train de faire de la couture, je suis en train de broder les yeux de mes chats. Et je me suis mis un film sur Netflix. D'ailleurs, ça se voit, mon mascara qui a coulé. Je me suis mis le film Nos étoiles contraires. Et là, je suis à la fin. Donc je chiale comme je ne sais pas quoi. Et mon homme, il me dit, avant de mettre le film, il me dit, t'as envie de pleurer ce soir? Voilà. Donc il reste 10 minutes de film, je vais le finir. Et puis ça va bien se passer. Il est très très tôt. En fait, je regarde l'heure et je me demande si ça sert à quelque chose que j'aille me coucher. Parce que je me lève dans 3h30 pour aller au boulot. Voilà, voilà. Je me suis mis devant un film et j'ai pas réussi à le lâcher. Puis j'avais pas mal de chats à terminer. Donc voilà. C'est pas bien. C'est pas bien, bien du tout. Mais bon. Je pense que je vais aller quand même m'allonger un petit peu. Je vais mettre au moins 2 ou 3 réveils parce que sinon je vais jamais réussir à me lever. Et ça va bien se passer. On y croit. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi. Je vous fais plein 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 de bisous. Prenez soin de vous et à très très vite.